écoute, un match qu'on savait difficile parce que Besançon a de grandes vertus défensives, avec beaucoup d'agressivité, beaucoup d'engagement. Et puis c'est un match qu'on savait être en donné une partie de poker menteur. Et à ce jeu-là, Besançon sait faire en jouant à 7 en attaque, en brouillant les cartes constamment en défense. Donc c'était pas simple de ne pas perdre le Nord. On a su, après un retour un peu fort de Besançon, on a su garder la tête haute et on a su résister et remettre un écart qui augure d'une belle victoire. Oui, oui, on sait toujours que Besançon c'est une très très belle équipe. Ils jouent toujours au fond, ils ont une défense très très agressive. Après, ils jouent tout le temps 7 contre 6 aussi, c'est que c'est un peu voilà, difficile pour nous. Donc on a quand même galéré un peu en défense, mais voilà, on a réussi, on a gagné chez nous, c'est ça le plus important et voilà. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que les filles se battent. Et ce qui est intéressant, c'est que même dans l'adversité où mentalement c'est dur, tu prends un coup de fou secteur central, tu as un arbitrage des fois qui n'est pas toujours cohérent, ben on lâche pas et on a reçu mettre ce qu'il fallait à la fin pour faire l'écart. Et malgré toutes les tentatives de Besançon en défense et les quelques petits coups tentés en attaque, on a su résister, on a su gagner ce match. Voilà. Ouais, j'aurais aimé faire jouer encore plus tout le monde, mais c'est pas simple parce que quand tu as l'adversaire qui revient, tu as toujours peur de faire entrer une joueuse un peu froide. Donc écoute, Shenia Mievskaya a montré qu'elle pouvait compter dans cette équipe, mais d'autres aussi. Monika Kominska, à la fin, son duel perd fort l'adversaire. Donc nos deux recrues allemandes et polonaises ont été très importantes pour la victoire ce soir. Oui, c'est ça, on a resté concentré jusqu'au bout, même quand ils ont s'est rapproché, je pense, même pour deux buts. On a réussi de rester calme et de trouver des bonnes solutions en attaque et pas se précipiter. Donc oui, c'était super. C'est que je suis super fière de tout le monde, elles ont été géniales, on est diminué, il nous manque toutes nos grandes, mais voilà, on a nos petites qui se déchirent, qui vont chercher tout ce qu'elles peuvent chercher. Elles n'ont jamais rien lâché, on est revenu en première mi-temps, on est revenu en début de deuxième, on est revenu en fin de deuxième. On craque un petit peu à la fin sur l'expérience, mais franchement, c'était juste... C'était juste un match super, super engagé. Je suis vraiment fière de mon équipe et de ce qu'elles ont montré ce soir. Ouais, on savait, c'était David contre Goliath. Hein. On aurait bien voulu finir la légende, enfin copier la légende. Maintenant, voilà, je pense que le point positif, c'est vraiment l'état d'esprit. Elles y ont cru comme jamais. Je crois que ça reste un match de handball et peu importe l'adversaire, on est toujours là pour gagner. Elles ont fait le maximum. Ça passe pas, c'est dommage, c'était pas loin, mais voilà, il y a quand même beaucoup de bonnes choses à retenir, en tout cas pour nous ce soir.